19, Metro Express accueille ses premiers passagers et d'ici une semaine, la barre symbolique des 3 millions de passagers sera franchie. Selon le CEO de Metro Express Limited, les Mauriciens ont adopté ce nouveau mode de transport. 14 000 passagers y voyagent quotidiennement en cette période de fin d'année. Des chiffres qui devraient augmenter de façon conséquente en avril 2021 avec l'entrée en opération des trains de Metro Express entre Rosyth et Quatre-Bornes. Le point, Kevin Tapessa. 22 décembre 2019, 22 décembre 2020, cela fait exactement un an depuis l'entrée en opération commerciale de Metro Express à Maurice. Si la phase 1 a été complétée entre la station de Rosyth et celle de Port-Louis, une partie de la deuxième phase, celle qui reliera Rosyth à Quatre-Bornes via Saint-Jean, a été complétée à 80%. Les travaux s'accélèrent même en cette période de fin d'année et à ce rythme, des trains devraient circuler entre ces deux villes en avril 2021. Nous prend un train depuis Quatre-Bornes pour venir pour lui à partir d'avril. Nous avons target avril 2021. C'est Jumka travaille depuis Quatre-Bornes pour venir pour lui dans moins de 25 minutes. La barre symbolique des 3 millions de passagers devrait être franchie la semaine prochaine. Entre-temps, les Mauriciens profitent pleinement du métro comme moyen de transport privilégié pour les achats de Noël. 14 000 passagers y voyagent quotidiennement. La compagnie a du reste revu ses horaires d'opération pendant la période de fin d'année. Le 24 décembre, le métro sera opérationnel de 6 h à minuit et le 31 décembre, de 6 h à 23 h.